Yo les potes, c'est Kayan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner Sangoku Ultra Instinct. Avant de commencer la vidéo, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Car sur ma chaîne je fais beaucoup de Pixar, donc abonnez-vous, c'est vraiment gratuit, voilà. Donc je vais vous montrer les couleurs basiques parce qu'il y a beaucoup trop de couleurs. Je vais vous montrer les prochaines couleurs vers la fin de la vidéo à peu près. Donc là vous allez prendre du noir, du bleu clair, du orange, du jaune et du bleu foncé. Voilà. Donc déjà on va commencer tout en bas de la feuille. Et donc là il y a plein de points, ne vous méfiez pas de ces points parce qu'en gros je me suis trompée au cours de la vidéo. Donc ça c'est une ancienne feuille et pour pas la gâcher, et ben j'ai décidé de refaire cette vidéo sur cette feuille. Alors vous avez commencé la vidéo en plein milieu de la feuille parce que le dessin est vraiment grand. Alors ce que vous allez faire en bas, c'est que vous allez faire déjà vous allez commencer par faire un point. Déjà, pour commencer, un point. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Oh, si vous montez là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3. Et là, vous allez faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous allez faire un point. Ok. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va continuer en bas. Donc, là, vous allez laisser deux espaces. Donc, là, vous allez faire 1. 1. Donc là vous allez faire 3 points. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Donc vous allez faire 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite vous faites 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3. 1. 1. 1, 2. 1, 2 et 3. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que là on va faire, là ici vous allez faire, vous avez fait 3 espaces, ok, là vous faites 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, vous allez faire 1, 2, 3, ensuite vous allez faire 1, ici, et vous faites 1, 2, 3, et 4. Voilà. Ensuite là vous allez faire 1, 2, 3, 4. Là vous faites 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3. Ok. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez laisser, là, vous faites 1, 2, et là, vous allez faire un point, d'accord? Alors, vous faites 3, ensuite, là, vous faites 2, ok? Donc là, on décale. Donc, là, je vais vous montrer, donc là, on va dessiner la tête, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, là, vous faites 1, on fait 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 1. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ensuite, on va faire de l'autre côté. On va, en fait, on fait chaque côté. Comme ça, vous arrivez mieux à suivre. Ensuite, là, vous faites 1, 2, 3. Hop. Et vous faites 1, 2, 3. Ok. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Ensuite, là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1. 2, 3. On fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait 1. Là aussi, on fait
1, ok. Ensuite là, ce que vous allez faire, c'est que là, on fait 1, 2, 1, 2, 3. Ensuite, là, on fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, on fait 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3 et 4. Parfait, 1, 2, on fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 1, 1, 2, 3, 1, 2, et on fait 1, et là, 1. Voilà, donc là on a déjà la forme de sa tête. Voilà. Et bien donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, là vous allez faire, vous allez décaler de 3. D'accord ? Et là vous allez dessiner un petit point. Voilà. Et donc là, on va passer au coloriage. Voilà, donc après avoir fait les contours, donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer par dessiner les pieds. Alors en fait, là déjà, en bas, là vous allez faire 1, 2. Après vous allez faire 1, 2, donc là on va colorier. Hop. Ensuite là, donc là on va utiliser en fait le bleu. Hein. Donc là, vous allez faire... Ça. Hop, vous allez monter de 4 carreaux, donc comme ça. Hop, ok. Ensuite, là, c'est 2 carreaux. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Là, c'est 2. De 7. Ensuite là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter de 5. Ensuite là, vous allez faire des 4 de nouveau. Voilà. Ensuite là, vous allez faire de 2. Voilà. Ensuite là, de 2. Ensuite là, encore de 2. Ensuite là, vous allez faire de 4. Et là vous allez faire de 1, voilà. Et franchement là tu vois direct, tu sens l'effet là en train de venir. Mais là tu le sens vraiment, tu sens que le... En fait ça sent que c'est un truc énervé comme ça. Tu vois, tu le sens l'effet. Pour faire ces 2 carreaux. Voilà. Maintenant, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bleu. Là, le bleu clair. Et là, on va dessiner un contour de malade, les gars. Je vous promets, ça va être un truc de ouf. C'est vraiment un dessin de malade. Moi, je kiffe vraiment. Ce dessin-là, je le kiffe vraiment. Donc là, en bas, je vais dessiner un contour. Donc là, regarde, faites comme moi. Voilà, faites comme moi pour l'instant. Je vous le dirai quand il faudra changer de couleur. On va le sentir l'effet, on va le sentir. Vous allez voir. Ensuite là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Alors là, vous allez monter de un carreau là. Voilà. Ensuite là, vous allez monter de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là, on fait les 5 carreaux, hein, bien sûr. Hop. Ensuite là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite là, vous allez en fait redescendre carrément. Redescendre. Là, vous allez redescendre de... Là, vous faites 2. Là, vous allez redescendre. Vous allez faire là 1.
et là vous allez faire ça. Voilà, vous allez faire ça déjà. Et voilà. Et ensuite, là, vous allez dessiner tout ce qui est à l'intérieur. Bon, les points ici, ne vous méfiez pas. Hein. C'est juste un petit effet, là. Putain, on le sent, le dessin à la mortelle. Ok. Après avoir fait ça, donc là vous allez remonter de un carreau, d'accord. Là vous allez remonter encore d'un carreau, donc là, hop, en dessinant ce qu'il y a là. Ensuite là par contre ça va être une phase qui va être très compliquée pour moi et pour vous. Alors en fait là vous allez faire un contour comme ça, hop, un contour comme ça, ok. Ensuite là vous allez refaire ce contour, hop. Hop, hop, ok. Ensuite là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un contour comme ça, hop. Et là, vous allez refaire la même chose, mais ici. Ok. Et là, vous allez refaire ça ici aussi. Avec, non en fait, on va plutôt en faire ça comme ça. Voilà. Et on va dessiner ici tout l'intérieur en bleu, sauf les trucs, les points blancs. Et voilà. Alors en fait, là, il y a des petites ratures, donc on prend des trucs comme ça pour en passer. Comme ça, on ne voit réellement rien, donc ça se remarque pas. Voilà. Voilà, comme ici, là, ça se remarque pas vraiment. Hop, moi je dessine le carreau là parce qu'en gros ça fait moche. Et voilà, moi je trouve qu'il est vraiment assez stylé. Ok. Donc ensuite là on va monter en fait. Ensuite là on va monter. Et en gros ce qu'on va faire, c'est que là, on va colorier ça. Hop. Voilà. Là. Voilà. On va faire ça déjà. On va monter, hop. On va redescendre. Comme ça. Ok. Alors, c'est vraiment un truc stylé. Hein. Ok. Ensuite là, vous allez faire ça, hop. Voilà. Et ensuite, vous allez faire ça. Et voilà. Ensuite là, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez dessiner, hop, vous allez faire ça, hop là, voilà. Ensuite là, alors en gros, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire, c'est hop, on fait ça, ok, et on dessine tout ce qui est à l'intérieur. Alors par contre, les gars, si vous voyez un changement de couleur sur la vidéo, c'est normal. En gros, j'éteins ma lampe parce que en gros, là, on voit une ombre qui est sur ma main. Et donc là, on ne la voit pas en vidéo, donc ça, c'est le petit avantage. Ok. Après ça, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez monter. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous allez monter. Comme ça, vous allez monter. Et ensuite, là, vous allez faire un point et on redescend tout en bas. Donc là, hop, on va faire un petit point. Non. Et on redescend. Voilà. Après ça, ce que vous allez faire. Après ça, ce que vous allez faire, vous faites 4. Hop, ensuite vous faites 1, 2. Ok. Ensuite là, faites un point là.
Et là, vous dessinez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Après ça, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Là, ensuite, là, vous faites 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descendez. Vous continuez le trait. Après ça, faites un trait là. Vous coloriez ce qui est intérieur. Ici, vous faites un point parce que sinon ça va être moche. Là, on fait un point. Là, on fait deux points. Et là, ensuite, vous faites un carré et vous dessinez. Vous coloriez tout ce qu'il y a autour. Hop là, même le point ici, vous coloriez tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Ensuite là, vous descendez, hop, un, deux. Là, vous laissez 4 carreaux, donc là on descend. Là aussi, hop, on referme. Et là, vous dessinez tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Vous faites bien la même chose que moi, hein, ce que je fais, les points et tout, vous faites exactement la même chose que moi. C'est vraiment très important parce que ce dessin il est compliqué parce qu'en fait il y a max de couleurs, il y a vraiment énormément de couleurs. Et du coup bah, il faut vraiment suivre parce que sinon vous allez vraiment être paumé. Voilà. Ensuite là vous allez faire 2. Voilà, 1. Ensuite là, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, là, hop là, vous faites un point là. Donc là, on redescend. On redescend tout en bas. Hop. Voilà, fait 3. Ensuite, là, vous allez tirer un trait bien droit. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez colorier tout l'intérieur, là, ici. Voilà, tout l'intérieur. Oh, c'est vraiment assez stylé, hein. Après ça, hop là, vous allez là, colorier tout ce qu'il y a au bord. Voilà, et ensuite là vous allez colorier tout ce qu'il y a autour. Hop. Voilà, tout ce qu'il y a autour. Voilà, celui-là aussi. Et voilà, ok. Donc là on a dessiné ben, le contour du dessin. Alors, après ça, donc ce que vous allez faire, c'est qu'en gros, vous allez prendre le orange, voilà, le orange normal que je vous ai demandé, voilà, au début de vidéo. Et en gros, vous allez faire ça.
Donc un petit point de démarcation. Voilà. Ok. Ensuite, là, vous allez faire ça. Voilà. Et après là, vous allez faire un point. Là. Ensuite là. Vous allez faire deux points, deux carrés. Après, vers ici, là, vous allez faire ça. Hop. Voilà, vous allez faire ça. Par contre, je vous dis déjà que c'est vraiment très compliqué hein, ce qu'il faut faire ici. Je vous le dis déjà d'avance. Ok. Après, là, vous allez faire ça. Vous allez faire un truc de trois carreaux. Ok. Vous faites un petit serpent comme ça là. Voilà. Là, faut vraiment faire des effets précis parce qu'il faut vraiment que votre dessin soit hyper stylé. Et si on fait tout à l'arrache, vous voyez. C'est vraiment pas ouf. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc, vraiment tout à l'arrache, on fait défaut, le dessin sera vraiment dégueulasse. Voilà, par exemple là, on voit direct que on sent que ça va donner quelque chose. Voilà. Si franchement vous sentez que le dessin il est bien, et bien faites-le. Voilà. C'est vraiment un truc de confiance. Là, on monte. Et là, voilà. Ensuite, là, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez faire un petit carré. Hop, là, en dessous aussi. Ok. Alors là, on aura bientôt fini avec le orange, heureusement, parce que l'orange, je trouve ça vraiment chiant, parce que là, il faut vraiment faire des trucs précis, là. C'est très embêtant. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment, faut faire du mieux. Vous laissez un espace de 3 carreaux ici. Là, vous allez faire une petite pyramide, là, mais à l'envers. Et voilà. Mais franchement, je trouve qu'il est, il commence à être dard, là. Il commence à être dard, je le vois, je le vois. Après ça, vous allez prendre le bleu normal et le bleu foncé. Et avec le bleu normal... Vous faites un petit carré. Alors là, on aurait dit que c'est un bleu foncé, mais en gros, c'est la caméra qui vous fait l'effet d'un bleu foncé. Mais en gros, ça va être un bleu normal. Parce que je vais prendre une photo, vous allez voir le résultat juste à la fin de la vidéo. Le résultat du dessin à la fin de la vidéo. Et vous allez voir que ça va être un bleu. Là, c'est un vrai bleu foncé. Là, celui-là, c'est un vrai bleu foncé. Voilà, vous allez voir. Voilà, il y a une différence de couleur. De couleur. Bon, par contre, le bruit il est un petit peu désagréable, hein, je vous le dis déjà d'avance. Ok. Ensuite, maintenant, vous allez prendre le marron. Voilà, vous allez faire un petit trait, vous descendez en bas. Hop. En gros, en fait, vous allez faire tout le contour, en fait. Par contre, faites attention de pas vraiment dépasser. Faites attention. Voilà, coloris bien sûr. Hop. Ensuite là. Là, vous faites une petite chaise, on dirait.
Ok. Maintenant, la suite du dessin, donc c'est de prendre un orange clair. Voilà. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez dessiner tout l'intérieur de ici, sauf mais vraiment ici, l'intérieur là. Par contre, ça, les pieds, vous allez les laisser. Ok ? Et voilà. Alors regardez, là, regardez, vu que ça a séché, vous voyez très bien que le bleu là, le bleu normal, il ressemble très bien à celui-là. Vous voyez bien ? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez prendre le bleu foncé de nouveau. Donc là, on va commencer à dessiner les pieds. Voilà. Après ça, d'accord. Maintenant, vous allez reprendre le orange clair et vous allez dessiner ici, là en bas. Et ensuite, vous allez prendre le foncé et vous allez prendre un rouge, le rouge pour dessiner les deux petits traits qui sont en bas. Ok, alors vous allez reprendre le orange clair là et vous allez repasser par là. J'ai totalement oublié de vous le dire, comme ici d'ailleurs, là aussi. C'est vraiment un dessin assez stylé. Stylé, stylé. Franchement les gars, très belle réussite. Franchement, si vous avez réussi, vous pouvez me l'envoyer sur les réseaux sociaux pour voir si vous avez réellement bien réussi. Moi je trouve déjà, c'est pas mal. Alors maintenant, ce que vous allez faire... Alors vous allez prendre un brun assez clair. Moi je pense que tu vois, si vous avez des feutres à bic là, pour les personnes qui regardent ma vidéo, vous avez des feutres à bic, normalement toutes les couleurs que je vais vous demander là, vous les avez toutes, à part le orange clair. Alors si vous avez, par exemple, vous n'avez pas de orange clair, et bien vous prenez du jaune, d'accord. Si vous en avez, pour les personnes qui regardent cette vidéo avec des feutres à alcool, et ben prenez la couleur que je vous ai demandé, ou alors prenez du jaune ou un truc comme ça. Voilà, donc là on n'aura pas beaucoup besoin, hein, puisque là faut juste faire quelques petits effets là assez stylés. Ensuite vous allez prendre le beige, un beige clair et un beige foncé. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le beige foncé que je vais vous demander. Voilà, donc alors là vous allez monter. Là vous allez monter comme ça. Hop, vous allez monter comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez faire ça. Ok. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez colorier tout l'intérieur. Voilà. Je vous dis honnêtement les gars, ça c'est une des parties, il y aura une partie, une des plus difficiles, voilà. Je sais pas pourquoi, là il y a des traces noires, c'est chiant. Ok. Après ça, vous allez faire ça déjà. Après ça, hop, vous allez faire ça, hop, voilà.
Ok. Et ensuite, donc là, vous allez descendre en bas. Faites 1, 2. Ok. Et là, donc en gros, vous allez faire 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1. Voilà. Et vous allez faire encore 2 points ici. Et ici, et voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre beige clair ou votre beige normal, et on va colorier toute cette partie en beige normal. Voilà, alors juste avant de reprendre, voilà, alors ici faites très attention, hein. Alors là, vous allez laisser, alors là ce que vous allez faire c'est que là, en gros vous allez laisser en blanc, voilà. Donc là par exemple, là ici vous allez dessiner un petit carreau, ok. Là vous allez dessiner un petit carreau, ouais, donc là plein de petits carreaux, hop, hop, hop là, voilà. Alors là, là vous faites 1, 2, ok, ok, donc pour ça, faites très attention à cet endroit parce que c'est un endroit qui est très précis, parce que si vous ratez l'œil, alors je vais pas vous dire vous allez rater le dessin, mais il va être vraiment dégueulasse, voilà, puisque les yeux c'est un des trucs qui compte plus sur un personnage, parce que ça prouve que le, à dire qu'il est un petit peu énervé comme ça, c'est assez stylé. Alors faites vraiment très attention à cet endroit là. Voilà. Ensuite maintenant, vous allez prendre le un gris normal et un gris un petit peu foncé. Voilà, pas un gris foncé foncé, mais un petit peu foncé. Donc moi par exemple, je vais prendre le CG2 et le CG6. Voilà. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre votre gris le plus clair que vous avez. Je pense que dans les feutres Bic, normalement vous aurez un feutre gris et un feutre clair. Voilà, donc vous prenez les deux. Et ce que vous allez faire, c'est que voilà. Donc là vous allez faire, alors déjà 1, 2, déjà pour commencer. Ensuite là vous faites 1, 2, 3. Voilà. Après ça, là vous allez faire 1, 2, 3, 4. 4 là. Voilà, donc là on dessine, on colorie ses cheveux. Par contre là il y a vraiment des effets à faire, donc faites vraiment très attention à la vidéo. Ensuite vous faites 1, 2, 3, 4. Voilà. Là on fait un 2. Ok. Et là, ce que vous allez faire en gros, c'est qu'ici là, vous allez faire 1. 2, 3, vous allez remplacer le beige que j'ai colorié là. Et vous allez faire 4. Voilà, donc en gros là ça dessine ses yeux, donc ça prouve qu'il est bien énervé comme ça, et c'est vraiment hyper stylé, ça donne réellement de l'effet. Voilà, donc là c'est ce qu'on fait. Là, après ça, ensuite, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Voilà. Après ça, vous faites 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok.
Mm-hmm. Ensuite, là, vous faites 1. Et là, vous faites ça. Voilà. Ensuite, là, ça monte encore. Là, vous faites 1, 2. Ok. Là, vous faites un trait qui va jusqu'au bout. Un trait qui va jusqu'au bout. D'accord. Là, vous faites encore un petit trait de 3 ici. Ok. Ensuite là, alors vous allez faire un petit 3 là. Vous allez monter là déjà. Ensuite, vous allez faire encore un petit point ici. Là, vous allez faire un petit point là, 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 d'accord. Ensuite, là, vous allez prendre votre grille normale, pardon. Voilà, de côté là. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3. Là, je vais vous faire un petit point, voilà, et vous allez reprendre votre gris clair. J'ai foutu ici. Je vais faire un point là, hop, là. Et là. Et voilà. Donc là, on a dessiné sa tête, ok? Maintenant là, vous allez reprendre votre bleu clair que vous avez pris tout à l'heure. Et on va encore changer ses cheveux, mais ça va être magnifique. Le dessin va être magnifique, je vais vous le dire déjà d'avance. Vous allez voir un résultat hyper chaud. Par contre, je vous préviens juste, si vous réussissez pas, c'est pas grave. Bien sûr, le but, c'est quand même de réussir. Mais bon, au moins, vous aurez quand même essayé. Voilà. Peut-être que ce sera pour une prochaine fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Ensuite, là, bon, en gros, en fait, bah, suivez bien ce que je fais. Voilà, voilà. Vous pouvez mettre sur pause, hein. Vous interdis pas à mettre sur pause YouTube. Voilà, ils ont pas ajouté mettre sur pause pour rien. Voilà, si vous avez, si vous arrivez pas à suivre, voilà. Parce qu'en gros là, je peux pas vraiment vous expliquer ce qu'on peut faire, parce qu'en fait là, il y a tellement de points que, en fait, c'est un petit peu un choix à suivre. Hein. Vous voyez ce que je voulais dire. Et... Ouais, c'est vraiment chaud, hein. Il est vraiment chaud le dessin. Hop.
Et voilà, donc ces cheveux, on a déjà fini de les dessiner. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez faire... Alors déjà, vous allez toujours prendre votre bleu clair que je vous ai demandé dans la vidéo. Et vous allez faire ici 1, 2. 1, 2, 1. 1, 1, 1. Ok. 1, 2. Voilà. Et là, vous allez faire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ok. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Voilà. Ça fait un effet comme ça, d'accord? Et là ici vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Et là vous allez faire l'effet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là jusque là-bas, là-bas, là-bas. Et là, vous allez redescendre de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Et là, en fait, 1, 1. Et là, on rejoint, voilà, ce qu'on a fait ici. Et là, vous allez faire un petit 1, 2 encore à la fin pour que ça fasse stylé. Et là, on va colorier tout l'intérieur, d'accord? Voilà, après avoir colorié ce joli fond, ok, là, en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la ligne ici. Là, vous faites 2, 2, vous allez prendre votre bleu normal que vous avez pris tout à l'heure, d'accord, et là, en gros, vous allez colorier, là, ici, c'est vraiment... comme ça magnifique. Voilà, un côté magnifique. Voilà. Un bon gros trait. En vrai, je vous dis honnêtement, agrandissez un petit peu le trait. Comme ça, on voit bien que c'est... Ça se voit que... Enfin, comme ça, ça rend un peu mieux. Ça rend un peu mieux. Alors, on agrandit un petit peu le trait comme ça, là. Voilà, on agrandit un petit peu le trait. Hop là. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche de notification pour ce magnifique dessin. Donc, ce dessin, il a pris 40 minutes, les gars. Franchement, pour ce beau travail, franchement, bah, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, alors, avant d'arrêter la vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble réellement le dessin que... on a fait, voilà, il ressemble à ça. C'est franchement, les gars, il est magnifique. On est d'accord, il est vraiment hyper stylé. Voilà. Voilà, donc abonnez-vous, activez la cloche pour ce dessin, les gars. Et franchement, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.